installations de Afridex situées à 120 km de Lubumbashi. Plus de précision avec Sandra Nyang et Jérôme Fouché. L'Africain explosif, un dispositif central dans le programme de redynamisation et la montée en puissance de FRDC. Une vision chère au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita, qui a visité ce lundi les installations de Afridex, établissement public situé à 120 km de Lubumbashi, chef-lieu de la province de Haut-Katanga. Le patron de la Défense nationale exprime son ambition de développer l'industrie militaire en s'appuyant sur Afridex, un établissement public spécialisé dans la production d'explosifs et d'armes légères rattaché au ministère de la Défense nationale. L'objectif étant de renforcer l'autonomie des FRDC dans l'armement militaire afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des importations d'équipements et des munitions. Une présentation détaillée a été faite par le directeur général, le grand admiral Baudouin Liwanga. Excellence, monsieur le premier ministre, avec votre présence à la direction générale d'Afridex, selon votre promesse, et avec la volonté politique du commandant suprême, maintes fois exprimée, Afridex vous fait confiance à 100%. Et nous nous engageons à offrir à la nation une grande industrie de défense. Pour le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, cette visite vise à évaluer les conditions de sécurité et de contrôle mises en place par la société pour garantir une production d'explosifs conforme aux normes internationales et une disponibilité permanente pour les FRDC. Cette visite est un engagement du gouvernement dirigé par Judith Suminwa pour renforcer l'efficacité des FRDC conformément à la vision du chef de l'État, commandant suprême des FRDC. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le député national du territoire de Walikale, dans la province du Nord Kivu, alerte. L'insécurité grandit dans ces territoires. Le 23, soutenu par le Rwanda, foule toujours au pied le cessez-le-feu. Annonce faite au vice-ministre de la Défense par ses élus qui ont discuté aussi avec Samia Dubango sur l'attitude à tenir pour appuyer le FRDC. Bobour Anan Mokounsi pour plus de précisions. Les différentes communautés de Kalembe, une localité de Walikale, dans la province du Sud Kivu, sont appelées à collaborer étroitement avec les services de sécurité dans le but de prévenir toute tentative malveillante de groupes armés hostiles à la paix et au bien-être de la population. C'est pourquoi le caucus des députés nationaux ressortissants de cette partie du pays, soucieux de voir cette population vaquer librement à ses occupations et activités socio-économiques, notamment champêtres, a sollicité le renforcement de la sécurité dans ces coins de la République démocratique du Congo et une assistance en faveur de populations retournées. Et Walikale, ce n'est pas seulement un territoire simple, mais Walikale, c'est le verrou. Walikale est en cheval sur quatre provinces, Nord Kivu, Sud Kivu, Tchopo et Maniema. Et Walikale regorge la plus grande réserve de cassiterites du monde. Aujourd'hui, la chute de Walikale va permettre aux agresseurs non seulement d'avoir des moyens, mais d'atteindre d'autres provinces. C'est pourquoi nous sommes venus alerter pour que le gouvernement de la République puisse appuyer les efforts de général Chimirai Guidon, qui est le coordonnateur de VDP, le vice-premier ministre et ministre de la Défense à l'intérim. Il nous a promis de pouvoir faire venir doléances à la haute hiérarchie et que dans les meilleurs débats et délais, il y aura une réponse qui pourra nous être parvenue. Cette contrée menacée par des mouvements armés mérite une attention particulière de la part des autorités de la République dans le but de maintenir la paix et la quiétude sociale, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parade spéciale hier à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Le général Philomène Patience a réuni les inspecteurs et agents afin de leur rappeler les missions de l'institution de contrôle et d'audit au sein de la police nationale congolaise. Cadre choisi, l'esplanade de l'administration centrale de l'inspection générale de la police. Dès les premières heures du matin, le policier inspecteur vêtu de leur tenue officielle s'aligne en formation. C'est les grands jours pour une parade à l'inspection générale de la police nationale congolaise. D'entrée de jeu, les patrons de l'inspection générale de la police, Philemon Patience Mouchidiav, a rappelé à ses hommes les missions de son institution qui se résume au respect de lois et règlements de la République au sein de la police. Aujourd'hui, j'ai répété encore une fois les missions de l'inspection générale de la police. Et il est temps maintenant de travailler
puisque les bavures policières sont constatées partout sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa et ailleurs. Vous voyez que le Congo, c'est un petit continent, nous allons nous mettre au travail. Pour le général, la République démocratique du Congo a obtenu un siège permanent à la Commission des droits de l'homme de l'ONU et l'inspection générale a le devoir d'accompagner le gouvernement pour mériter davantage cette place. Il est de mon devoir en tant qu'inspecteur général de rappeler aux policiers, aux inspecteurs de la police, de bien combattre tout ce qui est tentier, tout ce qui est défendu par les droits de l'homme pour que le monde accepte sincèrement que nous sommes les membres. Nous devons prêcher par l'exemple. Voilà pourquoi j'ai fait cette parade. La parade ici était le début de l'utilisation des véhicules que l'inspection générale de la police a acheté avec ses fonds propres. Afin, il a mis en garde tous ceux qui oseront utiliser abusivement le bien de l'inspection générale de la police nationale congolaise, dont le nouveau véhicule acquis dernièrement et autres matériels informatiques de pointe. Lors de son dernier briefing aux presse, le ministre de Médias et Communications est revenu sur la guerre d'agression à laquelle fait face la RDC. Pour Patrick Muyaya, cette guerre d'agression est une affaire de tous et non seulement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On l'écoute dans cet extrait choisi par Joseph Oscar Mbalkaïch. Lorsque nous parlons de cette guerre dans l'Est, j'insiste en disant que ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi ou de son gouvernement. Il y a des gens qui sont en train dans des laboratoires de penser tous les jours comment mettre la main sur le Congo. Certains auraient même pu réussir à les couper s'ils le pouvaient, parce qu'il y a toujours ces idées. Mais dans tout ça, comment nous y répondons? Lorsque nous parlons de front médiatique, lorsque nous demandons aux Congolais de se mobiliser tout pour la patrie, Bendeleko Yaté derrière le président de la République, parce que si le président Tshisekedi ne règle pas ses problèmes aujourd'hui, ce sera le problème de celui qui viendra plus tard. Parce que nous sommes dans un cycle qui a commencé depuis 30 ans et des gens ont appris durant ces 30 ans à se faire de la richesse, ils ont pris goût et ils ne veulent pas lâcher. Ils ne sont pas seulement, le Rwanda c'est sûrement la pointe de l'iceberg. Mon collègue parlait de la mise en demeure tout à l'heure. Non, dans tout ça, le plus important, c'est notre prise de conscience. Lorsque nous disons que nous devons avoir nos jeunes qui s'enrôlent dans l'armée, parce que ces pays, il faut les défendre. Lorsque nous disons qu'on doit soutenir les efforts, regardez ce que nous faisons avec le président Tshisekedi. Le front militaire, jamais on a autant investi dans l'armée qu'aujourd'hui. Lorsque vous regardez la diplomatie, lorsque vous regardez aujourd'hui, nous parlons de front judiciaire. Mais ça fait combien de temps que ces problèmes existent? Est-ce que vous avez déjà entendu une fois qu'on atteigne ces niveaux en termes d'implication? Vous avez vu le président, le procureur de la Cour pénale venir ici. Mais parce qu'on veut y mettre fin, lorsqu'on parle du front économique, lorsqu'on parle de Primera, lorsque nous faisons cette action contre Apple, qui est à la fois médiatique, judiciaire et économique, mais vous pensez que nous le faisons pourquoi? Contre une mastodonte américaine. Mais c'est parce que nous estimons que ça doit cesser. Les élections législatives et locales au Tchad sont tenues pour le 29 décembre de cette année. Comment faire participer l'opposition tchadienne à ces élections qui jusque-là continuent de les bouder? La question a fait l'objet des échanges entre le ministre congolais de l'intégration régionale Didier Manzenga et le président de l'Agence nationale de gestion des élections Ange. Moment favorable aussi pour l'envoyé spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi de s'informer sur le reste du processus électoral tchadien, comme nous dit notre envoyé spécial Ouliya Tounakoff. Le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukanzu, qui séjourne de nouveau depuis le samedi dernier en Djamena, la capitale du Tchad, pour une mission officielle, en sa qualité de l'envoyé spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur désigné par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, pour la mission de facilitation du processus de transition politique au Tchad, où il a échangé ce lundi 21 octobre 2024, avec Ahmed Bart Chiret, président de l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE. Question pour l'émissaire du médiateur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après la tenue de l'élection présidentielle démocratique, inclusive et apaisée, du 6 mai dernier remportée par
Mahamat Idriss Déby Itno, d'avoir une idée claire, nette et précise sur l'évolution du reste du processus électoral, notamment les chronomètres des élections triplées, législatives, provinciales et communales, et c'est devant lui permettre d'avoir des contacts fructueux avec la classe politique du pouvoir comme de l'opposition, dont une partie envisagerait déjà les boycotts ainsi que contacter la société civile. Nous avions tenu à approcher ce matin l'ange pour avoir le chronogramme des activités, des calendriers et tout ce qui est prévu pour ces élections. Après, nous allons rencontrer aussi les acteurs politiques, la société civile, les partenaires multilatéraux et les terreaux du Tchad. Peu après cette rencontre avec la centrale électorale tchadienne, l'envoyé spécial du président Tshisekedi a aussi conféré avec Saleh Kebzabo, ancien premier ministre tchadien et médiateur de la République. Nous avions très bien échangé et nous avions tiré aussi beaucoup de leçons. Et surtout, il nous a été rappelé par les médiateurs que le processus a déjà commencé. Archivage des dossiers, gestion électronique et physique des courriers, eh bien la magistrature veut s'inspirer du modèle de la COFET qui est lancé dans ces systèmes. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Télésphore Ndouba, a effectué un déplacement à la COFET pour un partage d'expérience. Plus de précisions avec Marie-Louise Zombella. Avec plus de 5500 magistrats civils et militaires répartis à travers le pays, la transformation numérique du Conseil supérieur de la magistrature est un défi majeur. Accompagné par le chargé de la logistique, le colonel Linguema et d'autres techniciens de son service, Ndouba Kilima met tout en œuvre pour concrétiser son ambition de moderniser l'appareil judiciaire. Les discussions avec la COFED ont porté sur l'amélioration du système d'archivage, la gestion électronique et physique des courriers ainsi que l'optimisation des ressources humaines. Je pense que les rêves de M. le Président de la Cour concernant le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, sur les réformes qu'on doit apporter au niveau de la digitalisation du secteur de la justice vont se réaliser maintenant. Très réceptif à l'initiative du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Alexis Tambwe Mwamba, coordonnateur de la COFED, a salué cette démarche ambitieuse et a promis les soutiens et l'accompagnement de son institution. Cette collaboration marque une étape importante dans le processus de modernisation du système judiciaire. On a mis en place plusieurs programmes d'appui à la réforme de la justice dont le CSM a été bénéficiaire. Donc ce sont des parties prenantes importantes et nous sommes toujours disponibles pour appuyer un service ou une institution de l'État et faire part effectivement de notre expérience. Avec cette approche, le secrétariat permanent vise une transition fluide vers un système hybride garantissant à la fois la traçabilité des dossiers et l'optimisation des processus administratifs. La cellule nationale de renseignement financier a organisé un atelier de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette sensibilisation est destinée aux femmes héroïnes. Pendant 3 mois, ces femmes seront initiées aux techniques de lutte contre le blanchiment des capitaux et les flux financiers illicites. Guy Matundu. La lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et les flux financiers illicites est une affaire de tous. La cellule nationale de renseignement financier entend impliquer toutes les couches de la société, à commencer par ces femmes héroïnes. Vous avez accepté de quitter vos milieux naturels, éloignés pour certains. Vous avez accepté d'abandonner vos différentes charges et servir de cobaye pour cette première expérience. Voilà les aspects qui font de vous des véritables héroïnes. À la faveur du lancement de l'Académie de la femme héroïne, les attentes de la CNAREF sont immenses. Les femmes y acquériront des compétences techniques, partageront des expériences et s'inspireront mutuellement. Elle regarde donc notre engagement à promouvoir l'égalité des sexes
et à intégrer les perspectives féminines dans la politique de développement. Nous avons besoin de femmes qui osent prendre la parole, défier les normes et rêver de la vie meilleure. Plusieurs interventions ont ponctué cette cérémonie. Les différentes femmes héroïnes ont témoigné de leur lutte contre le blanchiment des capitaux. Elles étaient venues du Gabon, du Congo-Brazzaville et de la RDC, notamment la secrétaire exécutive adjointe de la CNRF, Mme Chantal Lutundula. Le tout s'est clôturé par le lancement de cette académie de la femme héroïne. Ces femmes suivront pendant 9 mois la formation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Le drapeau tricolore de la RDC va flotter au mois de novembre prochain en Argentine. La RDC, à travers l'ANAPI, va participer à la foire internationale qui sera organisée à Buenos Aires. Le directeur général intérimaire de cette entreprise publique, Bruno Chibangu, l'a informé à l'ambassadeur de la RDC, accrédité à Buenos Aires en Argentine, comme nous dit Yvette Makoutima. Cette rencontre a permis de jeter les bases d'une relation renforcée entre l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, et les pays d'Amérique du Sud et de baliser la voie sur la participation de l'ANAPI à la foire internationale de Buenos Aires prévue en Argentine pour novembre 2024. Une fenêtre est ouverte au monde pour mettre en relief les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Avec le directeur général ad intérim de l'ANAPI, le professeur Bruno Chibangu Kabaji, l'ambassadeur de la RDC en poste à Buenos Aires en Argentine, Daniel Marius Chibangu Mubabingé, entrevoit une mission économique en collaboration avec l'ANAPI et qui va permettre aux investisseurs argentins et ceux des pays environnants de découvrir les opportunités d'investissement en RDC et c'est dans les domaines aussi variés, notamment les mines, l'agriculture et les infrastructures, en lien avec les programmes de développement local des 145 territoires et la vision de développement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous pensons que c'est à partir de l'ANAPI que le développement du pays doit passer. Et nous voudrions que cela puisse continuer. Ce n'est qu'un premier pas marqué. Et nous espérons que nous allons continuer avec l'ANAPI, parce que cela s'inscrit dans les programmes de notre mission diplomatique de pouvoir ouvrir la RDC, c'est la zone Amérique latine. Un partenariat qui se dessine avec la zone latino pour non seulement garantir plus d'emplois, mais surtout la création d'une classe moyenne à partir des investissements fruits d'un partenariat public-privé. La hache de guerre semble bel et bien déterrée entre la population des Sao et Mossangué dans la province du Sud Ubangui. Les affrontements ont repris entre les habitants de ces deux groupements et ils ont déjà fait plus de 4500 personnes déplacées. Pas seulement, 3500 maisons aussi ont été brûlées. Les déplacés viennent d'être assistés par la députée nationale et élue du coin Fati Sakoumbi Moleka. Le détail avec Marie-Louise Mbella. Elle a reçu un accueil digne des sorans des habitants de Boudjala dans le sud de Bangui qui lui ont jeté leur dévolu à l'Assemblée nationale. Présidente de la fondation Mama Zonda, véritable fer de lance dans les sociales et l'humanitaire, Kati Sakoumbi Moleka a volé au secours des déplacés internes des groupements Sao et Mossangué. Plus de 350 maisons brûlées. Plus de 4500 personnes déplacées dans plusieurs villages riverains. Nous sommes venus physiquement constater, soutenir, appuyer l'action humanitaire via la fondation Ari Jacktani, la fondation Maman Zonda Moleka. Prédicatrice de la paix sociale, Kati Sakoumbi Moleka est allée à la rencontre de la population des deux villages en conflit, envie d'offrir des bons offices pour un retour au calme et à l'attente entre communautés. D'une oreille particulièrement attentive, elle a enregistré les préoccupations de la population et promis de faire un plaidoyer auprès des instances concernées pour des solutions appropriées. La réhabilitation de la nationale numéro 6, les routes des dessertes agricoles, le retard constaté dans la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, ce sont là les points au échanges entre les habitants de Boudjala et ses groupements. Il y a beaucoup de produits vivriers ici à Boudjala. Les routes nous font défaut.
La députée nationale Cathy Sakumbi-Moleka a livré un message d'espoir quant à l'effectivité du programme de développement local des 145 territoires promis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Sensibilisation au Kasaï sur le bien fondé du développement à la base à travers le 145 territoires. C'est le député Fortuna Ndamou, fils du terroir, qui a sensibilisé cette population kasaïenne. Nous vous proposons l'étape de Mapangu et autres villages. Plus de précisions avec Berthe Moukonkole et Jacques Aboba. C'est un homme de terrain qui rentre auprès de ceux qui lui ont donné mandat pour leur dire merci malgré les difficultés liées au mauvais état des routes. Parcours d'un combattant que Fortuna Ndambo effectue pour atteindre tous les coins et recoins du territoire d'Ilebo. Pendant ses vacances parlementaires, l'honorable Fortuna Ndambo a pris le temps d'aller au contact avec toute sa base électorale du territoire d'Ilebo dans les Kasaï. À l'étape de Mapangu, tout comme dans différents villages où il est passé, l'élu du peuple a tenu à remercier et expliquer à la population les bien fondés d'avoir les routes de dessert en bon état. Le désenclavement est la base du développement. Voilà pourquoi il n'est pas allé main vide. Acteur du développement, il a apporté deux tracteurs et un camion ben, une façon pour lui de contribuer tant soit peu à la reconstruction d'Ilebo. Nous avons fait les points sur toutes les préoccupations que trouve la population de ce territoire. Et ces problèmes sont multiples. C'est pour cela que j'ai demandé à ce que nous puissions commencer par réhabiliter toutes les routes de cette agricole et la voirie de la cité d'Ilebo. Et la population aura la possibilité de vendre ces produits auprès de différents commerçants qui vont devoir envoyer leurs véhicules en toute sécurité. Notons que l'honorable Fortuna Ndambo s'est fait toujours accompagner partout dans son combat par son épouse, Madame Paola Nemwembangu. Les cancers du sein est le premier cancer qui touche les femmes. Les hommes sont aussi touchés par ce type de cancer. De messages apportés à la population au cours d'une journée d'information organisée hier à Kinshasa, les intervenants du jour ont plus mis l'accent sur la prévention. Nicole Sesseploka. Cette journée d'information sur les cancers du sein tenue à l'Institut national des recherches biomédicales INERB s'inscrit dans le cadre de la journée mondiale des cancers du sein qui vise à outiller davantage les femmes sur les voies et moyens pour lutter contre cette pathologie d'une part et d'autre part de faire des participants des ambassadeurs pour sensibiliser la population sur ces fléaux qui touchent souvent les femmes. Professeur Dr Gertrude Louyeye a d'abord rappelé le rôle que jouent les seins, notamment la nutrition pour les enfants qui doit être soignée de manière à éviter le cancer. Elle a énuméré quelques facteurs de risque, notamment le facteur endogène, par exemple la ménopause tardive, l'allaitement des 6 mois, la mauvaise hygiène de vie sont entre autres les facteurs de risque. Le cancer de sein existe bel et bien, d'autant plus que le cancer de sein atteint, on sait, en majorité les femmes, mais même les hommes sont également concernés par cette maladie. Et donc, comme on n'en connaît pas les causes, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et c'est la sensibilisation qui est notre moyen le plus efficace, dire à la population que le cancer de sein est bel et bien dans nos murs et que nous avons absolument le moyen de nous prévenir de cela. Mais aussi, lorsque la maladie est arrivée, n'est pas paniquée, on a actuellement assez de moyens de traitement de cancer et des gens peuvent guérissent. Du cancer de sein. Questions-réponses ont marqué l'instant pour pouvoir mieux appréhender l'importance des seins chez la femme. Cette journée rendue possible par l'Église Nouvelle Apostolat Authentique en collaboration avec Cortex Santé des médecins qui luttent sur les maladies infectieuses. L'RDC honoré en Tanzanie, un jeune ingénieur congolais de l'Université de Kinshasa, auteur d'un projet dénommé Cérébro, vient de remporter les prix de la première édition de la compétition des jeunes de l'Union africaine en intelligence artificielle et robotique. Malheureusement, les concepteurs de cette œuvre n'étaient pas présents lors de la remise de ces prix, faute de moyens, comme nous dit Marie-Louise Mela. La République démocratique du Congo, par la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa, inscrit son nom en lettres d'or à la première édition de la compétition africaine des jeunes en intelligence artificielle et robotique.
Faute de moyens, les concepteurs, jeunes ingénieurs de cette faculté, n'ont pas pu faire le déplacement vers Dar es Salaam. L'ambassade de la RDC en Tanzanie a dépêché Ghislain Tita pour recevoir ce prix continental de l'intelligence artificielle des mains du Premier ministre de la République unie de Tanzanie, Kassim Majaliwa, qui représentait Mme Samia Suluhu, présidente de la République. L'équipe congolaise composée de Boris Ikula, Daniel Mabanza et Samuel Matia a frappé par la pertinence de son projet le contrôle des systèmes robotiques à partir des ondes du cerveau grâce à l'intelligence artificielle avancée, utile pour les personnes sévèrement handicapées. Leur projet, c'est Cerebro qui a fait valoir son originalité dans cette compétition créée par l'Agence de développement de l'Union africaine en partenariat avec Helvète, à laquelle plus de 1000 compétiteurs venus de 55 pays d'Afrique ont concouru. Les collectifs des parlementaires debout soutiennent les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il dit aussi, ces collectifs, soutenir sans faillir le secrétaire général Augustin Kabuya dans sa démarche de la campagne de sensibilisation et sur la révision constitutionnelle. Ils se sont exprimés au micro d'Alain Bikaï. Nous, collectif des parlements debout de l'UDPS reconnus depuis l'opposition, après avoir examiné minutieusement la situation sociopolitique et sécuritaire que traverse notre cher et beau pays, au regard de la question de la souveraineté nationale, déclarons ce qui suit. Soutenons les efforts inlassables du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République pour la préservation de l'intégrité territoriale telle qu'héritée depuis la colonisation et la gouvernance de développement qu'il ne cesse d'imprimer en RDC. Donc, soutenons la révision de la Constitution de 2006. En ce qui concerne notre cher et beau parti ULEPES, appelons notre base au soutien indéfectible à la hiérarchie dûment établie et voulue par la haute autorité de référence, à savoir le président de la République. Nous citons l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo, secrétaire général et président ad intérim de l'UDPS Bar Tshisekedi. Nous invitons les combattantes et combattants à la vigilance tout azimut et à barrer la route au démon de la déstabilisation de notre pouvoir. Et puis, ce sombre anniversaire, un an déjà depuis la disparition de Zachary Badiengela, connu sous le nom de Nemwanantsemi, fondateur et chef spirituel de l'église Bundu Diakungu. Tous ses adeptes se sont réunis hier dans la ville de Matadi pour célébrer ses premiers anniversaires. Anniversaire, Nicole Sessimplouk. Les fidèles, les adeptes, les personnes qui partagent la même philosophie, tous se sont donné rendez-vous dans la ville portuaire de Matadi pour rendre les hommages dignes de ce nom au fondateur de Bundu Diakungu. Cette première commémoration, présidée par sa fille, le docteur Ntsemi, qui a d'abord remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son soutien indéfectible, non seulement lors des funérailles, le 18 octobre de l'année passée, mais aussi dans le cadre de la construction du monument qui symbolise un héritage culturel et spirituel fort de l'ancien élu national du Congo central, cela avant d'affirmer l'importance de préserver la langue Kikongo comme patrimoine culturel essentiel mettant en avant la mission régalienne de protéger cet héritage significatif pour la République démocratique du Congo. Nous remercions le chef de l'État, son excellence, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son aide, non seulement pour le funérailles de papa, mais aussi pour la construction du mausolée à Tsukumalo. Ces actions ont marqué non seulement la vie politique congolaise, mais aussi la vie spirituelle des Noirs en général, de Congolais et du peuple Congo en particulier.
Pour rappel, Némonantsemi, de son vrai nom Zacharie Badiengila, fut un leader religieux et politique incontournable qui a lutté de son vivant d'une part sur le respect, la dignité de l'homme noir à travers l'indépendance spirituelle et physique. Le premier anniversaire de sa mort a connu la participation du président du comité des sages Nemputu, Lusembo et le gouverneur de province représenté, ainsi que les autorités politico-administratives, tous présents pour réfléchir sur comment sauvegarder la philosophie et les biens fondés de l'Église de celui qu'on appelle fièrement par ses adeptes Mamvuemba Nkosi. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Yannick Yangumba, Chamberton, Barbosa Massela, Camille Kilimba, Alain Soudi. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30, Louisette Ntsakala. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.